Hi les gens, c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, si vous êtes ici, c'est forcément qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau partenariat avec une boutique de perruques qui m'a envoyé une perruque hier. Voilà. Donc je me suis dit, de toute façon, faut que je fasse une vidéo, faut que je vous la présente, je suis trop contente, je veux trop l'essayer. N'hésitez pas à checker leur boutique, c'est un peu comme Donna Love Hair. C'est une autre boutique, ça s'appelle Everyday Wig. Je vous mets tout dans la barre d'infos et voilà. Donc forcément j'aurai besoin d'un ciseau pour couper le filet, bien sûr. Donc première impression de la boîte, elle est juste magnifique. Quand j'ai vu le paquet hier, je me suis même demandé si c'était pas une paire de chaussures. Parce que oui. Elle est vraiment super belle, moi j'adore perso. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, avec les fleurs, tout ça. Mais je trouve ça magnifique. Sur le côté, il y a les réseaux sociaux. Et et puis pas pour dire, pour toutes les personnes qui sont un peu starbées dans leur tête, et ben, il y a quand même un open. Donc très très belle boîte, voilà, très bonne impression de la boîte. Donc je sais plus si je l'ai dit, oui c'est un partenariat, voilà, je le dis dans toutes mes vidéos, je le dis à chaque fois, c'est un partenariat. Donc ouvrons la boîte et hop là. Tu vas faire quoi? Je pense que je vais faire du truc. Non, c'est bon. Donc fuck. Fuck. Ok. Donc, première impression. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Maman contente, voilà. J'adore. Enfin, je l'ai pas encore vue et j'adore déjà. Donc, première chose que nous trouvons dans ce paquet, et je crois que je vais en faire la collection du coup, c'est une brosse. Ah oui, si vous l'avez vu, j'ai récupéré ma voix. C'est mieux, hein. Mais c'est pas ça que ça. Donc une brosse comme ceci. Mais ça, c'est la The Brush pour coiffer vos wigs. C'est perfect. Ça, c'est nickel, quoi. J'ai jamais vu ça. Plus la forme, excusez-moi. Bon, j'en avais eu une pour Donna Love Hair. Bon, pour le coup, il n'y a pas marqué Everyday Wig. Donc, ça change pas grand-chose. Voilà, c'est une brosse. C'est exactement la même que l'autre. Donc voilà, c'est juste parce qu'il n'y a pas marqué Donna Love Hair. Mais voilà, ça brosse super bien. C'est la vie, ces brosses-là. Achetez-en, achetez-en. Et si vous voulez un site où vous pouvez en acheter, je vous conseille Wish. Elles sont pas chères, elles sont à 1€. Donc voilà, elles sont formidables. Moi j'adore, je crois même que celle-là est plus grande que l'autre. Aussi les gars, vous allez être contents. J'ai investi. J'ai investi dans quoi? J'ai investi dans des éclairages. Je me suis décoincé les doigts du cul hier. Il était 1h du matin. J'étais sur lui, je flânais, je me suis acheté un fond, Galaxy, je me suis acheté une penderie, on s'en bat les couilles, et je me suis acheté des éclairages. Enfin, Melo Kimiko se décoince les doigts du cul. Je me suis acheté des grands éclairages, des grands parapluies, avec s'il vous plaît des ampoules. Mais j'espère que je ne suis pas trompée dans les prises. Voilà. Donc du coup ça sera beaucoup mieux pour filmer. Bon là du coup il y a un éclairage pourri, sa mère. Non, il est pas trop pourri, ça va pour le coup. Mais ce que je veux dire c'est que dans ma chambre, en fait, parce que je suis pas chez moi, donc dans ma chambre chez moi l'éclairage est à chier. Donc ça sera très bien que je mette mes éclairages et mon fond derrière. Bon, revenons à nos moutons. Ici c'est le sujet perruque, pas sujet éclairage. Je vous ferai une vidéo spéciale. Deuxième chose qu'il y avait dans ce paquet, ce sont des wig caps. Cap. Mais ceux-là ils sont vraiment horrible. C'est une calvitie. Il y a des gens qui voulaient que j'ai la calvitie. Bah vous allez voir, avec ça j'aurai une belle calvitie. Alors je crois qu'il y en a deux, des pièces dedans. Donc c'est bien, je suis là. Quelqu'un est mort. Donc il y a deux pièces dedans. Fuck, merde, mais ouvre-toi là. Wow. Ah oui, il y en a deux. J'aime pas ce truc. Ils sont trop moches, regardez. C'est une tête de Minimoise. Mais non, mais sérieux, c'est pour les têtes de Minimoise. Eh. Ils ont pas pris pour ma tête. Moi j'ai une grosse tête de troll là. Et puis si on veut, bah j'ai mon grand filet de tête de troll. Donc ensuite on va attaquer la meilleure des choses, la plus belle des choses, la plus magnifique des choses du jour. C'est la wig. Alors j'ai pris la wig en rose parce que du coup oui, j'ai le droit d'en choisir une. Je la choisis moi-même, c'est pas eux qui m'envoient le truc comme ils ont envie. Donc moi je l'ai pris en rose avec des espèces de reflets. Il y a des petites mèches blondes. Enfin bref, c'est tout un truc. Bon là vous... Ah si, j'en ai mis gros sur. Donc voilà, c'est tout un truc. Donc allez, c'est parti.
quand tu veux ma ginette. Alors le pire c'est que cette boutique me fait un partenariat mais comme ça quoi. Claquant des doigts, j'imite, c'est la boutique de Joséphine Ange Gardien. Parce qu'ils m'ont fait ça mais d'une vitesse, j'ai pas compris leur délire. Donc bon bah c'est cool. Donc allez, on enlève ce grand filet qui me sert. Alors ça me fait trop rire les gens qui regardent ce filet là et qui disent c'est le filet à perruque. Non, c'est un filet de protection, un truc comme ça pour tenir les cheveux. C'est tout, c'est pas un filet mais sur sa tête. Donc, oh là là, quelle beauté. Oh, elle est trop belle. Oh, les boucles, ça me met. C'est pour ça que j'ai mis un t-shirt rose. C'est pour ça que j'ai mis un t-shirt avec les glaces. Vous allez me dire que je suis complètement déjantée dans cette vidéo. Oh, il y a un garçon qui est passé. Ça, c'est pas mettre sur la tête en plus, hein. Alors, les gens, je vais vous expliquer une deuxième fois après Donna Love Air. Alors, chose à voir, perruque qui se met contre forcément le crâne. Forcément, on a un espèce de petit filet comme ça. Bon, ça forcément faut le couper parce que bon, t'as l'air un petit peu con. Coupe à la racine en faisant attention forcément de ne pas couper après. Voilà, donc c'est mieux. tu vas niquer ta perruque. Barrette pour fixer sur les côtés. Une barrette là et il n'y a pas de barrette en haut. Ok, donc très belle wig. Déjà qu'elle a les cheveux gras. Non, sérieux. Ici à la racine, voilà, on voit des reflets blonds. Enfin, moi je la trouve vraiment perfect. Donc, on va essayer tout ça. Alors, premier challenge de la journée, se détacher les cheveux emmêlés que tu n'as pas coiffé aujourd'hui parce que tu as la flemme. Oui. Non, je suis désolée, mais. En fait, le problème, c'est que je n'ai jamais su bien mettre ce genre de filet. On peut essayer. What the fuck, man? Ça va être celui-là, voilà, un petit filet noir que je mets à chaque convention qui commence à dépérir, le pauvre, il a des trous. Comment mettre un filet tuto? T'as vu? C'est de la technique, les gars. Ah! Ouh! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça craint si tu coupes parce qu'il y a après. Je vais faire ça sérieusement parce que je sais que je me chute dessus. Par contre, oui. Allô? Ah, c'est là. J'ai terminé! Vous voyez ce que ça fait? Voilà, par exemple, j'ai coupé un peu trop près et il s'avère que j'ai coupé des mèches. Voilà. Donc, bon, tant pis. On va dire que c'est pas grave. J'étais pas assez concentrée, on va dire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon! Assez parlé. Donc, nous allons tout de suite. Alors, la fin. Oh, fuck! Hop! Et ben alors, pourquoi pas? Donc, voilà pour cette wig. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà. Donc j'espère aussi que la wig vous plaira. Si vous voulez la retrouver, je la mets en description pour que vous puissiez aller checker le site et tout ça. Ils font des très belles wigs comme Donna Love, hein. Et bon bah voilà quoi. Après voilà, ce sont des wigs comme j'ai dit dans Donna Love qui ont des prix et qui sont pas donnés. Y a pas de frais de port. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, à faire ce que vous voulez. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.